Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Boloa. Landa Congo dialogue po yemba nyoso ya Congo. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Na bino nyoso boza branché connecté na www.congodialogue. Moi c'est Joyce Boloa. Merci à Jenny Okasa qui est derrière la caméra. Merci hein, la patronne à Congo South Africa. Maman Francine Ngueve, merci à Tanayo, la coordinatrice, ce grand prêtre-mère. Boss, c'est la patronne. Quand je solo, na minito na Belgique, mobimba quand je solo, je cite Zaraye. Maman Francine Ngueve, Yewana. Voilà. Tu es allé solo, na bon, habité à se présenter, moi quoi. Hein? Aza mam tellement le belé mais ton dans ça moi ba série na hier. Maman, na biko sana mwana. Ça va? Ça va bien, merci. En forme hein? Par la grâce de Dieu. Oh, yoka ba français. Maman Francine pèse en français bien, elle va bien. Atalinga la c'est voilà. Voilà. Voilà, présentation na ba téléspectateurs bazola ndabiso. Kombo na ngai Melina Mvula. Melina Mvula Ngoma. Ngoma c'est le nom de mon mari. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants. Je suis politologue de formation et activiste. Il y a des activistes qui ont été en Afrique du Sud. Il y a des vents et apartés. Politologue. Ok, en émotion, c'est ça, servant de l'éternel aussi. N'est-ce pas? Tu as 30 juin, n'est-ce pas? Tu as 30 juin. Mais avant cela, en tant que servant de l'éternel. Message no copé ça d'abord tout le bas moi mouké tous les moukés mouké liwa papa langi na maman langi au cas qu'il y a un déni parce que c'est pas kunami déjà. Bon, liwa ya papa olangi na maman olangi, je parle comme une chrétienne, non comme une païenne. Eza liwa moko et sali passi. Alors personnellement nazo mon abatou surtout sur les réseaux sociaux bazo finga bazo humilié. Mais mutuloko langai ce qui na moni papa olangi na mama olangi bakufi il faut na zonga mutu pe na mona na ye balisusu ke sur cette terre des humains na za pèlerin un jour je passerai donc comme na grandeur ya batwana comme na oyo bango bazalaki aujourd'hui bazali susuté donc totika lolendo totika koinana to sale la nzambe na ndenge ya bosolo. Donc, ezaka message na kopé ça, merci. Mais là, attirer l'attention chez Ali, to tika ko inana, to sale nzambe na ndenge ya bosolo, c'est-à-dire na ndenge ya bosolo. Papa nangai, lelo oyoyo basali ya nzambe, biso ba chrétien, ba tu ya église de réveil. Biso ba oyo tozolo ba mingi ke biso nde to memi réveil. Nous qui sommes dans la lumière selon la Bible, toza mingi na kati ya sommeil pe na kati ya distraction. Le frère Patrice avait chanté je cherchais le glisse, je le trouvais dans le monde. C'est ce qui se fait aujourd'hui, pratiquement aujourd'hui, na monde à lelo. Soko lingi omo na jalousie, omo na rancune, o lingi omo na bamakambu nyonso ya mabe, o to bandeko ko kima na mokili, o komona yango na kati ya église de réveil. Donc quand tu vois un homme de Dieu azo sepela na TV na liwa ya mama olangi, ke azui oyo a mérité, ki ça fait très mal. Parce que toi tu es un homme de Dieu. Pendant que bande qui ko déconne ou pendant que bande ko sala makambu oyo et bande ko sepelisa nzambe te selon yo o sala kinini de son vivant pour o ramener sur la bonne voie au lieu o leka o banda ko tout a tolo ke azui li futi na ye non mitala na malamu est-ce que yo pe na parcours na yo na nzambe o sala mabete o zana batu o balobaka mabe po na yo te o zokisa mitema ya batu te bon si c'est le cas gloire à Dieu mais si ce n'est pas le cas yeba ke yo pe o leka loko la liwa ebanga ki mama olangi te na kombo wana zalaki nango ebanga ki ete la mère de multitude et ko banga yo pété. Donc ça autrement dit ceux qui prétend dire du mal à maman olangi ya to la même interview ba pasteur musba lakeli bon bon ici ba kufa na bon mais na mondir na moni na modi popo olangi ya modir ozo modir muta kufa la bible que nous lisons et bisi biso to modir te à Dieu la vengeance à Dieu la rétribution alors si toi un homme de Dieu
osa représenter un Nzambe na sena moyi okomi ko contredire Bible yondo koyeba nga nani loko lobate. Mais disons un peu entre nous, tant que cela, tu me réponds en tant que servant de l'Éternel aussi. Disons un peu entre nous, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit le français, n'est-ce pas? Les gens disent que non, le couple Lang, il y a une magie, il y a 666 et tout ça, tout ça. En tant que servant, je crois que maman Lang est avec moi, il y a un modèle, il y a un apprécié, par rapport à ma dire, il y a un peu de choses, tout. Qu'il y a un peu de choses ici. 666, ça bloque belé belé. Toi, tu dis quoi? Ce qu'on a dans mon angoté, ce qu'on a quoi qu'on déclarait en gondéné. Bandego Panzama Balabatou, quel genre d'enseignement, ce n'était pas biblique, tout ça, ce qu'on a commis dans mes. Batonos, Bakotana, Bassifem, Monsieur Anna Mabale Panzana, ma famille Panzana, Banoko Bapanzana, ma maman Bakoma Bandoki, donc tout ça. Moi, je veux ma tante à Bandi Sifem Sen en 1992, malheureusement, a changé. Depuis 92. A changé na été. Bon, bato ba changé pe fo ko tala mutu na comportement na enano. Po mutu za ki déjà égoïste, hein? Tous na non pe bato. Hein, papa José mutu la ki da égoïste na ndoko papa na mama na e. Aki ayo ki message balobi ke ba na famille, bando ki baza, banani baza, banani bo baza. Azu égoïsme na ya tiamu ka en exercice te. So bande ko kabamuki e koti. Nous voyons ebelé a bato baza na ministère, on ce sont des intellectuels. Des gens qui sont allés à l'université, bazana ba diplôme, ba grand diplôme. Yebisanga est-ce que mutuana azana nu mature, azana mwana mukiete. Basimbele ki chicote bando yebise ka bwana na famille na yo, ka bwana na bandeko na yo parce que ba prédication wana lelo ces gens de prédication là sont partout. Et comme ina ngo partout côté ya ma ba lois établies, ba condamnation, ba nini ezote ya ma partout, mais tozo boya ba famille na biso te pourquoi? Pourquoi seulement kaka batu na bango? Bata la pe ba caractère ya batu ba comportement na bango avant ba kende kuna bazala ki ndenge nini po ngai nazana mamale ki nanga kenda kuna a changer te bon abenga mno bandokite en tout cas benga biso bandokite c'est OK ya je disais ceci que seul comportement on a bandok mabe abandaki mbala moko loba eza sorcellerie eza combat mais a changé te. Elle a beaucoup contribué na ba vie na biso na ba étude na biso donc wana. Alors pour le reste ba mekano ko revoir pe ba caractère abandeko na bango uta na banda ko bazaki ndenge nini po yo mutu mukolo ndenge wana yo kaka message même bible lo biso ya malamu ya mabe faut discerner yo zui kaka nyonso ya mabe o ya mabe ipare bande kote ya yo obimi nango libanda en tout cas na ebite. Je reçois Madame Ngoma aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble avec lui dans le journal Libana, n'est-ce pas, en tant qu'activiste, en tant que servante, il y a tout à fait mon point de vue par rapport à la disparition, il y a un couple langue. Maman Ngoma, dis-nous un peu, en tant qu'activiste, le lot aux arts le 30 juin, mais que dans moi 10 minutes ou 15 minutes, c'est Rosama Passi, pour Ebisabiso, tu as wapi, tu as wapi d'abord, et puis tu as kende wapi. Comment tu vois le Congo? Le bilan est zéro, premièrement, ce que je dois dire, et je le dis tout haut, le bilan est zéro. Après 58 ans d'indépendance, je pense que le sacrifice de Lumumba est boycotté et saboté. Après 58 ans d'indépendance, bah effort oh bah père na biso, bah père ya indépendance bah ça là, bah toana bah sanganaka pour dire que on en a marre d'être esclave sur notre propre terre. En tout cas, sacrifice wana ezo servir na elo kote. Pourquoi je dis ça? Premièrement, avant na expliquer, je dirais ceci. Po na ngai, un vrai Congolais ne peut même pas célébrer cette journée. Parce que 58 ans d'indépendance, tozo s'est retrouvé dans une situation chaotique. Congo est à tomber très bas. Un pays comme le Congo, un grand pays comme le Congo, oyo batu nyonso na monde bazo tout à tolo, un pays riche avec une population trop pauvre, un pays riche partout dans le monde okokuta congolais, même dans pays oyo il y a aucune richesse okokuta congolais azakuna akeluka. Esclavagisme échangea forme à cause
pardon, il y a battu oyo bazana pouvoir, les ennemis du peuple, oyo bazana pouvoir, les ventriotes, les gens qui ne pensent pas à l'avenir du Congo, les gens qui sont ennemis de notre terre, qui sont en train d'occuper notre pays, qui ne pensent même pas à l'avenir de leurs petits enfants. Bangonde bazaba ennemi à Congo, cause ya faillite ya Congo lelo. Toza pays moko, toza marginalisé partout. Pouvez-vous vous rendre compte, un jeune pays comme l'Afrique du Sud qui n'a que 24 ans, mais Congolais azo envié Afrique du Sud, azo ya. Et puis même à ton petit ma sœur, Nabimana nuka kata Congo. Pourquoi? À cause de nos dirigeants. Est-ce que Afrique du Sud, oh, bah, dirigeant na bango, ba uta lola, ba bota bangote, ba yamba la mort, ba dit diriger bien pendant 24 ans, oh, Mundela pesie accès. Mais Sud-Africain, azola ksa Mundela que oui, je peux gérer mon pays, je peux diriger mon pays. Mais Congolais, Mundela a colonisé des siècles et des siècles à pesie mboka pendant 58 ans. Congolais zola ksa Mundela que naza niama, na koki ko boma muninga na Congolais facilement. Naza niama, naza incapable à accepter vérité. Nakata, on continue. Naza niama, na koki ko boma muninga na Congolais facilement. Naza niama, na koki te kondima opposition o ezo ebisanga vérité. Congolais o azana pouvoir, azana posa ya opposition en plastique. Opposition o akoleka na tongo a fingi mboka na poko aleki na bureau azui mbongo. C'est cette opposition là qui en place a besoin. Mais la vraie opposition est marginalisée. La vraie opposition est séquestrée en prison. La vraie opposition n'a pas de valeur. Voir la jeunesse congolaise qui s'élève pour manifester, cette jeunesse qui est en train de voir que notre pays est en train de traverser des moments pénibles. Nous devons nous lever pour nos enfants. Cette jeunesse est tuée. Je veux citer Rossi Tumanga, je vais citer Luc Kunkula, de jeunes qui ont donné leur vie en sacrifice pour les Congos. Mais Baza tué. Je me demande pourquoi nous devrions fêter cette journée. Pourquoi nous devrions célébrer cette journée? Maman Mélanie, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je sais que Obi bilan est à zéro et là au il n'y a pas à célébrer l'indépendance malgré que Lumumba soit indépendance en 1960. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que 58 ans. Que devons-nous faire? Il faut le renouvellement de la classe politique. Et je signale aussi que je suis membre du PCM, je suis présidente de l'Équipe de femmes et journaliste. Il faut le renouvellement de la classe politique, parce que cette classe politique a échoué. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de classe politique. Il n'y a eu qu'une classe politique qui défile de l'opposition à la majorité, de la majorité à l'opposition. Et cette classe politique a échoué. Cette classe politique a trompé, a violé, a assassiné son propre peuple. Cette classe politique a trahi la terre de ses ancêtres. Et il faut renouveler cette classe politique parce qu'elle n'est pas digne de gouverner le pays. Elle n'est pas digne. Mais cette classe politique, étant assoiffée du pouvoir, elle ne veut pas abandonner. Cette classe politique, étant assoiffée du pouvoir, elle veut résister au pouvoir. C'est pour cela qu'elle continue à tuer son peuple. Elle continue à marginaliser son peuple. Dites-moi, messieurs, je suis une femme violée à l'est du pays. Est-ce que cette femme peut-elle célébrer les 58 ans d'indépendance? La femme dont on a tué ses enfants, cette femme peut-elle célébrer l'indépendance de son pays? Cette femme peut-elle se taper la poitrine et dire que je vis dans un pays indépendant? Parce que l'indépendance, c'est la liberté. L'indépendance, c'est le fait de ne pas dépendre. Mais quand cette femme est marginalisée, cette femme est chosifiée, est-ce que la femme au Kassai peut-elle célébrer les 58 ans d'indépendance? Dites-moi au Congo, cette jeunesse corrompue, la jeunesse qui est majoritaire, il n'y a pas une bonne étape dans un pays de vivre dans une nation
pardon, si ce n'est la jeunesse. Mais nous voyons le pouvoir en place utilise la même jeunesse pour massacrer la jeunesse pure qui lutte pour la liberté du Congo. C'est très bizarre. Maman Gomes, je crois que nous aurons l'occasion de vous inviter encore dans notre prochaine émission. Cette classe politique ne veut pas aussi, évidemment, mais dans le troisième mandat, cette classe politique, il y aura des élections ou pas dans notre pays. Ça, c'est une question que nous allons poser. Je voulais que vous votre dernier message. Dans votre respecteur, la jeunesse, dans votre maman, dans votre maman, dans votre côté, dans 5 ans plus tard, il y a l'indépendance. Mon dernier message est celui-ci. La définition du mot État ne pas respecté en République démocratique du Congo. L'État, c'est l'ensemble de personnes qui vivent dans un territoire et ces personnes s'imposent de l'ordre. Malheureusement, dans mon pays, le Congo, le Congolais, le dirigeant politique, les politiciens ou politiciens, je ne sais pas, le politique, ne veulent pas s'imposer de l'ordre. Mon dernier message est celui-ci, la patrie ou la mort. En tuant, mon dernier message est celui-ci, on ne défie pas le peuple. Le peuple gagne toujours. Il n'y aura pas un troisième mandat. Accepter un troisième mandat, c'est cracher sur le sacrifice de Lumumba et cracher sur tous les martyrs qui sont tombés pour la liberté du Congo. On en a assez, on en a marre. Kabila doit dégager et tous les assoiffés du pouvoir doivent partir ensemble avec nous. Nous voulons un État indépendant, nous voulons le respect de la Constitution et nous voulons que cette jeunesse qui est majoritaire puisse profiter du lait et du miel de la République démocratique du Congo. Merci. Tes contacts ? Mon numéro de téléphone, il peut contacter directement M. Josué Bonoa. Je suis sur Facebook, et je suis sur YouTube, et je suis sur Twitter. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était Maman Goma. Et que je salue aussi son mari, Calandrine Goma. Merci. Ça, c'est, merci de pouvoir nous donner votre femme pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a été choisie de faire, n'est-ce pas? Femme ménagère, femme de la maison, mais aussi artiste. Donc, quand il s'agit du pays, elle s'élève. Là, vous avez ça, c'est un mandat. On sent seulement qu'il y a le bagage, n'est-ce pas? Je sais, Jenny Okasa. On sent que le bagage à vos mamans, ils ont la carte. Ils sont en train de passer dans mon thème en tant que maman. Tant qu'ils ont raisonné, ma maman, vous avez violé dans l'Est, dans Mbujimé, dans Kassé, ou dans bon, est-ce que ma maman, c'est une carte? Donc, 58 ans après, notre pays, ça c'est la question que moi personnellement je pose. Où en sommes-nous, au Faraoui et au Faraoui Goï, après 58 ans? Tout ça va plutôt qu'il doit plutôt continuer Pécard. Réfléchissons à ça. Merci à vous. Merci, grande dame, pour cette de la Belgique. Merci à vous, maman, mes amis. Je vous en prie, messieurs. Je vous souhaite. Merci beaucoup. À la prochaine, je crois qu'on aura un tas de débats sur la prendre avec toi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité dans un moment. Malgré avec l'enfant, mais. Pour l'amour du pays, elle m'a dit que nous avons qui m'aide. Pour nous, comment nous avons un tata, mais ça m'a dit qu'il faut que nous avons un n'est-ce pas? Si il y a des questions à poser, le numéro est affiché dans la petite écran, vous en avez un comme elle a pu se la connaître, se continue 58 ans. Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Bonoa, Landa Congo Dialogue pour yemba nyoso ya Congo. Merci beaucoup.